c'est ouvert. Oui, il y a une semaine. Elle vient chercher les brindilles. Je suis flou. Je suis flou, c'est bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Il est 10h20. On part pour. Tais-toi. Mais on part pour Cholet. On va aller un peu magasin et. Oh, c'est pas vrai. Vous avez vu l'autorité que j'ai? Il est temps d'aller. Allez! Putain, il est chiant! On va faire. Eh, je vais le tuer. Je sais pas si je vais réussir à faire ce début de vlog. On a Robin avec nous parce qu'Antonin est parti chez son père en vacances pendant 2 semaines. Ah bon? Je savais pas que c'était. Je savais pas que c'était hier. Je pensais que c'était au mois d'août. Au mois d'août, et en fait, non, c'était là. Bon bah. Je vais rappeler, mais comment on est là, je peux pas l'appeler, bon, j'appelle la aujourd'hui, désormais. Avec ton téléphone, je vais vous rappeler tranquille au calme, mais là c'est mort, pas appeler. Oui, mais ça ferme tard. Oui. Parce que là, j'avais plus envie, c'était de régler ceci, puis de voir, là, mais là, je peux pas, du coup, c'est pas grave. Il est 13h40. On sort du Flunch, on sort du Orange et du SFR. Et J'ai croisé une abonnée à Flunch, c'était très étrange. Elle est venue me voir, elle m'a demandé si j'étais bien Justine Family. Du coup, bah écoute, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. J'étais très contente de te voir. C'était sympa, très étrange, mais très sympa. Là, on va aller du coup dans une autre zone de là où on était. Là, on était la zone de Zeman, Action, etc. Pour ceux qui sont de Cholet et qui voient de quoi je parle. On va aller à l'autre faubourg là pour aller faire un petit tour à Kiabi et voilà. On est en galère avec notre réseau internet. On est chez Orange, on paye la peau du cul et on a un débit, mais vous avez jamais vu ça de votre vie hein. Pour mettre une vidéo sur YouTube, faut que je compte 2 à 3 heures en fonction de la vidéo, donc je peux vous dire que c'est très très long hein. Et voilà, on peut rien faire pour nous. SFR, notre maison n'est pas éligible. Voilà, ni nos voisins, à toute notre rue, là, personne n'est éligible à SFR, c'est génial. Du coup, on est obligé de se coltiner encore Orange. Sans offres différentes, et toi, il nous a rien proposé. On n'est pas content. Ils sont pas bons ici. Bon. Allez. C'est pas grave. Il est 19h33, on est rentré. Je vous ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Dans la journée et l'après-midi parce que bah du coup on a fait un peu de magasin vite fait et on a après été chez sa sœur, donc du coup bah ça a pris du temps. Sa sœur. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et d'abord ce que j'ai reçu de Camailleux déjà et après je vous montrerai ce que j'ai acheté. Donc déjà de Camailleux, je sais pas où je vais vous mettre. Là. Bon, je sais pas si on va bien me voir, j'espère. C'est une veste, je vous mets tous les liens en barre d'infos, mais vous allez voir, elle est trop jolie. Je sais pas si c'est si on comprend quelque chose. Je vais la mettre pour voir. Mais avec mon ventre, ça va pas être ce qu'il y a de plus flatteur pour le fermer, quoi. Hop. De toute façon, je vous mets une photo comme ça, vous voyez. Et après, ça se noue. Donc, j'ai pris taille M. J'ai pas pris pour mettre enceinte, hein, donc du coup c'est pile poil quoi, c'est un peu limite. Mais voilà, c'est une petite veste de mi-saison qui est super agréable à porter, donc ça je suis bien contente. Je suis pas du tout, je suis trop basse. Et le t-shirt il est comme ça, il est super joli, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Enfin c'est un petit débardeur, c'est pas un t-shirt pardon. Vraiment très sympa. Terminé, c'est un body chemise. Hop, donc voilà comment il est. Il est trop trop beau et il est bien. Oui, il s'ouvre bien. Donc ça pour l'allaitement, c'est pas mal du tout. Au niveau de l'entrejambe, on retrouve bien des petits clips, donc c'est parfait. C'est pas galère. Puis voilà, au niveau des manches, là, ça se referme. Il est vraiment très très beau ce body. J'aime beaucoup 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 et il est tout fin. Alors ensuite, on va commencer par Action, donc j'ai repris des piles et j'ai enfin trouvé ça, du coup j'en ai pris deux parce que dans mon Action il n'y en a pas, donc
Voilà, c'est le nettoyant anti-moisissure et détachant qui est complètement fou apparemment. Donc je vais le tester. Je suis trop contente de l'avoir trouvé chez Zeman. Donc, une nouvelle casquette pour Antonin. Vous savez, je lui avais pris la casquette Mickey. Il l'a perdue à la crèche. Donc j'espère la retrouver cette semaine parce que sinon je vais mourir. Parce que je ne l'ai pas retrouvée. Donc il y a intérêt que je la retrouve à la crèche. Donc voilà, c'est Alexis qui l'a choisie. Elle est très belle. Des petites chaussettes. Voilà, c'était pas cher du tout les chaussettes, hein, sérieusement. 2,99€. Alors ensuite, pour moi, j'ai pris un petit t-shirt camel. Non mais hé. Voilà, je pense qu'il va être juste avec mon gros ventre, mais c'est pour après, donc c'est pas grave. Pour Alex, on a trouvé celui-ci. Il est super sympa. Ouais. Un peu chiné comme ça, c'est très joli. Alors, pour Antonin, j'en ai pris deux. Donc, ils étaient à 1€, ils étaient en solde. Bon, même de base, ils étaient pas très chers, mais bon. Donc voilà, c'est des tout simples. Voilà, j'en ai pris un jaune. Et un verre d'eau, comme ça. Pour 1€. Ensuite, Akihabi. Pour 2,50€. Oui, c'est ça. Pour 2,50€, on a trouvé Mickey encore. Il va être content. Mais il est vachement beau, celui-là. Franchement, très très beau. Moi qui aime pas les trucs de licence, là, celui-là j'adore. Et pour Alexis, on a pris un t-shirt comme ça, gamer. Il est très sympa aussi, puis il était pas cher, 8€. Voilà pour les petites trouvailles. Pour ce soir, donc, le repas. Enfin, Robin vient d'aller au lit, il est 19h40, parce qu'il est HS. Il a fait, je pense, une heure de sieste en tout sur la journée, donc du coup il capote, hein. Ouais. Du coup c'est des coquillettes avec lardon, sauce tomate, viande hachée et miel. C'est très très bon. Donc ça c'est le repas de ce soir. Avec en entrée. En entrée c'est des crevettes. Voilà. Des crevettes que j'ai été chercher avec Alexis tout à l'heure. Ah non, ça vous fait rire quand il fait l'imbécile, hein, mais je vous avoue que à vivre au quotidien c'est pas facile. Putain, t'arrêtes. Je. Et j'ai aussi des radis magnifiques. Ah, un chat explosif. J'ai fait mon plein de fruits et légumes, enfin surtout fruits du coup. Donc là, on va dîner en amoureux. Et on va terminer Stranger Things. Ouais, t'as raison. Au moins une. Ah non, j'ai pas l'habitude de. Il reste combien d'épisodes à regarder? Eh non, mais sérieusement. Non mais je sais plus quoi faire de lui. Trois. Il reste 3 épisodes et après on regarde la Casa de Papel. Ça mon gars, et Freddy, ça c'est de la pastèque. Nélia, si tu regardes ce vlog, dis à ton père que c'est des très bonnes pastèques. Non, merci. Je vous le donne, s'il vous plaît, qui le veut, moi. Je suis riche. Il est riche et utile. Bon, du coup... Du coup, je vais vous reprendre tout à l'heure. Voilà, si il se passe quelque chose, j'espère que mon vlog n'aura pas été court. Je veux dire que j'ai réglé le souci Orange. Ah oui, on a appelé Orange. Enfin, il a appelé Orange. En fait, on a un problème sur la ligne, indépendant de la maison. C'est vraiment la ligne extérieure. Voilà, et du coup, c'est ça qui fait qu'on a un débit pourri. Un technicien intervient. La date butoir, c'est 23. Il y a un technicien qui devrait arriver maximum le 23 juillet. Le 23, du coup, mais c'est quand? Le 23, c'est lundi, non? Le 21, mardi. Mardi, bon. Je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, bah j'espère que ça marchera mieux parce que sans déconner, uploader une vidéo en 3 heures, c'est juste pas possible. Et donc, bah on va voir. Ça, je vais prendre le téléphone, il sera pour toi. Ouais,
Comme ça, il va prendre mon vieux téléphone et je vais prendre un nouveau téléphone. De toute façon, il travaille sur le chantier, moi je travaille à la maison. Il me faut un téléphone qui est propre et en bonne santé. Lui, il va forcément l'abîmer. Et il dit que mon téléphone est rose et que du coup, voilà, mais en fait, avec une coque, ça se voit plus qu'il est rose. Hein. Bon, allez. Je vous reprendrai après pour la pastèque time. Oui, on va prendre rendez-vous chez le coiffeur. Hein. Ouais, c'est bien que je les côté. Ils sont un peu longs. J'ai voulu prendre rendez-vous pour la barbe. Je sais pas si je vous l'avais dit, c'était quand on avait été au Refluent. Et il fallait quoi? 1h30 je crois pour faire une barbe. Faut pas déconner. Je lui fais en un quart d'heure. Enfin, je me le fais. Je te fous de moi? Et moi quand je te le fais? Oui, oui. C'est cela, oui. 22h41. Pastèque time. Bon, on va vous laisser. On va aller manger notre pastèque devant le tout dernier épisode de Stranger Things. Mmh. Il en reste un. On en a regardé deux là jusqu'à présent. Un pendant le manger et un après. Donc voilà, voilà. On va vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Bye bye. Mmh.